C'est avec indignation que je me présente aujourd'hui devant vous. Car de nos jours, le simple argument du droit des individus à migrer et à s'installer ailleurs ne convainc plus l'opinion publique. C'est la preuve du niveau de crispation actuel des sociétés européennes sur le sujet de l'Europe face aux migrants. Ma plaidoirie n'aura pour intérêt que de rappeler le caractère essentiel de ce que nos politiques ont adopté lors de la Convention de Genève le 31 janvier 1967 et lors du protocole du 28 juillet 1951, à savoir, je cite, « L'Union européenne garantit le droit d'asile et se donne pour devoir d'exercer la solidarité. » Sincèrement, je vous pose la question suivante. Aujourd'hui, où est la solidarité promise à ces peuples souffrants et traversant la Méditerranée à la recherche de vies meilleures, de vies moins dangereuses, pour eux et pour leurs enfants? L'article 63 bis du traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union européenne ajoute ceci. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires. À vrai dire, comment peut-on comprendre et surtout accepter que des pays comme la Hongrie puissent se permettre de fermer ses frontières, alors que dans l'article cité ci-dessus, on prône une gestion efficace des flux migratoires à tous les stades? Cette même Union européenne ne prône-t-elle pas, dans l'article 2 de son traité, non seulement des valeurs de dignité humaine, de respect, de liberté, de démocratie, d'égalité, mais aussi des droits de l'homme et des minorités apparentes? Il est évident que ces valeurs sont communes aux États membres de l'Union européenne, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre hommes et femmes. Il est évident qu'actuellement, aucun État ne peut se targuer de respecter tous ses engagements demandé par l'Union européenne et par les pays adhérents. Il est évident encore que lorsque l'on prend un engagement, on le respecte, messieurs les politiciens européens. On nous parle de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile, mais qu'en est-il au juste? Pour faire simple, les migrants feraient ce choix pour des raisons économiques. Quant aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile, ils y seraient forcés pour des besoins politiques. En ce qui concerne le droit d'asile, qui étymologiquement veut dire « lieu sûr », il accorde le droit de refuge dans un pays étranger au sien. Toutefois, il est évident aussi que le problème ne s'arrête pas à la phase d'accueil des migrants, pour lesquels des mesures d'urgence sont prises. Mais au-delà, un travail d'intégration pour ceux qui reçoivent l'asile est indispensable et un parcours d'intégration obligatoire. Vous n'êtes pas sans savoir que ces femmes, ces hommes et ces enfants dont on parle ici ont fait le choix de se déplacer ou de se réfugier dans des pays limitrophes aux leurs. Parce que leur vie était en danger à cause de guerres. On comprend donc que le migrant n'est pas le terroriste, qui lui est cette personne qui utilise la terreur et la violence pour faire passer ses idées politiques. Ainsi, parmi les Syriens qui font le voyage, beaucoup avaient de ressources financières, là-bas, avant la guerre. Un tel témoigne, j'ai vendu ma maison, mes deux voitures, mes affaires pour pouvoir fuir la guerre, pour offrir une bonne éducation à mes quatre filles. Un autre ajoute qu'il a dû faire appel à un passeur et que même dans ce cas-là, la sécurité n'est pas garantie. J'ai dû essayer trois fois de traverser. Les gardes-côtes turcs nous ont interceptés une première fois.
Et une autre, j'ai dû débourser 5 000 euros. Qui, parmi vous aujourd'hui, peut dire qu'il ne connaît pas de près ou de loin l'un d'entre eux? À l'école, nous nous sommes vus enlever notre ami, Pape. Élève modèle, poli, aimé de tous, et renvoyé pourtant dans un pays qu'il connaissait à peine. Pour lui, et aussi pour d'autres que nous connaissons aujourd'hui, et qui malheureusement, demain peut-être, subiront le même sort, nous ne pouvons nous taire. L'un d'entre eux, crayon à la main, utilise le slam pour clamer son drame, avec des titres tels que « Viol d'enfance »,« Vol d'innocence » ou « Immigré sans papier ». Inutile de vous dire que ces jeunes-là sont des exemples dans notre école. N'oubliez pas aussi, mesdames et messieurs, que les migrants réfléchissent de manière rationnelle à la meilleure façon pour eux de s'en sortir. Pourquoi croyez-vous qu'ils veulent tous aller en Allemagne ou en Suède? Ils savent très bien qu'ils ont plus de chances de trouver du travail là-bas qu'en France ou encore ici, en Belgique. Ce fut le cas d'un autre élève de l'école, Moussa, parti travailler en Allemagne il y a 2 ans. Ceux dont nous n'avons pas encore parlé, par contre, ce sont ceux pour lesquels nous nous sentons, en quelque sorte, tous coupables. C'est-à-dire ceux-là même qui ne sont jamais arrivés nulle part. C'est pourquoi, face aux nombreuses inquiétudes que suscite l'afflux massif de migrants, on voit apparaître dans la presse des études de chercheurs qui évaluent l'intérêt possible de la présence ou pas de migrants dans un pays. Cependant, c'est dépasser le problème. Et ce n'est pas aux chercheurs de rassurer le citoyen, mais bien au monde politique de prendre ses responsabilités. En proscrivant les discours politiques ambigus, en combattant les fausses idées reçues, mais surtout en plaçant la générosité au-dessus de tout. Et puis, si la guerre était chez nous, que ferions-nous? Risquerions-nous, nous aussi, ce voyage? Et eux, que feraient-ils? Et puis, si les Anglais nous avaient refusés en 1939, que serions-nous devenus? Certains diront que cela n'a rien à voir et évoqueront le problème de religion. Des partis comme l'extrême droite, par exemple, n'hésiteront pas à faire allusion à ces migrants qui viennent prendre le boulot des habitants de notre pays. Or, lorsque les Italiens sont arrivés en Belgique pour travailler, quelle fut la réaction du peuple belge? Plus qu'hostile envers ces gens qui venaient prendre leur travail. Pourtant, regardez, aujourd'hui, subsiste-t-il encore un problème? Alors, sincèrement, pourquoi en serait-il autrement avec les migrants venus de Syrie, d'Irak ou d'Iran? Je vous demanderai aussi, pourquoi continuons-nous de commercer avec ces pays-là puisque ces gens répugnent le monde occidental? Pourquoi avons-nous même été jusqu'à coloniser leurs terres et nous approprier leurs ressources? Car nous sommes supérieurs! Cela s'appelle l'ethnocentrisme. Montrons-nous donc, aujourd'hui, plus civilisés et prenons nos décisions pour aider ces populations. Car ici, il ne s'agit pas d'un combat David contre Goliath, mais bien d'une aide que demandent les plus démunis d'aujourd'hui aux mieux lotis. Ironiquement, beaucoup sont choqués des attentats perpétrés, chez nous, par les groupes islamistes et djihadistes. Et solidairement, rappelez-vous des moments de soutien du monde entier envers les victimes des multiples attaques de Paris. Dites-vous bien que cela est le quotidien des peuples vivant au Moyen-Orient. Car pour eux aussi, ces tueurs infâmes sont des ennemis. Dites-vous bien aussi
que beaucoup d'entre eux ne sont ni intégristes, ni djihadistes, mais chrétiens, mais musulmans comme nous sommes chrétiens. Nous aussi avons été intégristes lors des croisades. Souvenons-nous de notre histoire. Nous savons donc très bien que ces populations neutres ne font que souffrir dans ces moments-là. Enfin, le monde tel que nous le connaissons est la résultante d'une succession de mouvements migratoires, et ce depuis toujours, car selon les recherches archéologiques et paléontologiques, nous sommes tous originaires de l'Afrique. La liberté de se déplacer est un droit humain fondamental. Plus récemment, vos grands-parents ou arrière-grands-parents ont peut-être migré. Vous êtes alors, vous aussi, issus de l'immigration. Ce que vous leur refusez. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans une des plus grandes crises migratoires jamais connues jusqu'ici. À nous de ne pas nous tromper sur nos décisions et sur nos actes. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, dans le problème que nous traitons ici, il s'agit de comprendre, une bonne fois pour toutes, que les migrants qui affluent aujourd'hui ne sont plus là pour des causes utilitaires, mais simplement car ils sont en danger et qu'ils ont le droit de migrer, de vivre en famille, d'améliorer leur sort et celui de leurs proches. Ils ont le droit d'être intégrés et protégés. Et c'est très bien. L'immigration n'est que la conséquence. Ce qu'il faut revoir, c'est le besoin des hommes de régler ces conflits par la guerre et de tirer profit de celle-ci pour commettre des actes encore plus inhumains. Je vous remercie.